voici arrivés à la maison de Germaine. C'est émouvant de rentrer ici. Là, c'est la partie de l'étable. Il y a un petit autel dans le fond. Tout est dans la pénombre. On ne voit pas grand-chose. La mangeoire ici pour les vaches. Elle ne devait pas être bien nombreuse. Et voilà ici, sous l'escalier, le petit escalier qui monte dans la maisonnée auquel elle n'avait pas accès. Voilà Germaine au milieu des fleurs, de ceux qui viennent la prier. C'est une reproduction, évidemment, mais ça nous montre l'endroit exigu. C'était sa chambre, son lieu de prière, son refuge aussi, pour retrouver le Seigneur. C'est probablement là aussi qu'elle cachait ses larmes. L'endroit est tout petit, il est invisible, on passe sur le chemin sans s'arrêter. Et il est témoin de ce qu'il y a de plus grand dans le royaume. La confiance dont témoignent les tout-petits lorsqu'ils s'en remettent entièrement à Dieu. Germaine, aujourd'hui encore, témoigne qu'il est toujours possible de répondre à l'amour, par l'amour à la haine. Sa marâtre était son bourreau, celui qu'on appelait son père ne l'était peut-être pas. Aujourd'hui, où nous vivons des situations familiales souvent douloureuses, et elles sont souvent le lieu de souffrances cachées, de dures épreuves endurées, Germaine témoigne que le Seigneur est toujours là, présent, prêt à accueillir toute souffrance et à consoler toute peine. Il est celui sur qui on peut toujours s'appuyer pour construire sa vie. Il est celui par qui on peut toujours répondre à la haine par l'amour et la bienveillance. Germaine est un témoin de ce dur combat dont on peut être victorieux par la grâce de Dieu.